Salut tout le monde, bienvenue pour la suite de la fameuse aventure spéciale Noël sur Zelda Breath of the Wild. Et je suis en compagnie de madame. Comment ça, spécial Noël? Ah, je savais que t'avais posé cette question. Bah, en fait, c'est parce que tout va être posté à Noël. L'épisode 5 va être posté à Noël. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, go. Tu sais que j'ai record un épisode sur toi. Ouais. T'as rien dit. Non, c'est pas grave. Mais du coup, t'en es à où, là? Alors, j'en suis à où? J'ai juste parlé au vieux. Après, j'ai pris le paravoile. Et il m'a dit d'aller là-bas. Là-bas, entre la... Ah, t'es encore sur le plateau, là? Ah, là, là-bas. T'es pas encore descendu du plateau? Du plateau du prélude? Oui. Non. Là, je suis dans le prélude, là. Tu peux écouter le vieux ou tu peux aller où tu veux. Tu fais comme tu veux. Si tu veux faire l'histoire normalement ou comme toi. Bah là, il m'a dit d'aller directement... Ah ouais, il peut rien faire. Et en plus, on a de la viande. Attends, quoi? Oh, le petit chat, il a trouvé à manger. Oh, il nous ramène. Bon, là, il y a le petit chat de mademoiselle qui nous a ramené un petit truc à manger. Oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Mais ça se trouve, on l'entend même pas sur la vidéo. On dirait que t'as pété un peu. La vie de ma mère, on l'entend sur la vidéo. Oh, mais attends, je peux faire Meiji. Attends. Oh, on l'entend. Attends qu'elle arrive pas, Camille. Alors attends, n'hésite pas à me donner des conseils, tout ça. Hein. Pourquoi il mange pas? Pourquoi tu veux qu'il mange? Non, là t'es en train de préparer quelque chose. Là j'ai rien préparé. Mais si, c'est tous tes ingrédients là. Oui, mais je l'ai mis. Il faut que tu trouves une casserole. Bah tu vois, là y'a pas. Alors que là je suis en reste là. Mais oui, mais il faut que tu te prépares. Il faut que tu ailles te trouver une casserole et que tu te prépares plein de plats. Parce que là, c'est débile ce que tu fais. Ouais. Bah vas-y, c'est ce qu'on fait, ok? Allez, let's go. On va là où le papy nous a conseillé d'aller. Donc, voir une amie. Une amie au roi d'Hyrule. Et on en profite aussi pour faire la tourelle là-bas que j'ai vue tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, quand j'ai. Quand j'ai joué. Oh, on nous a remis encore des trucs à manger, le petit chat. Oh. Est-ce que t'as un message à passer au chat, une dédicace? Non. Oui. Mais attends. Mais attends, je suis totalement débile. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Non, je vais te montrer. J'étais là. Oh. Oh, comment descendre et tout. J'avais peur de pas réussir à l'ouvrir. En fait, j'ai eu trop peur la première fois que j'ai vu l'ennemi là, moi. J'étais en mode. Oulala, même pas, je vais le voir. Ok, il est fort. Non, mais il est pas fort, il fait peur, c'est tout. Tu peux l'approcher tout doucement. Bon, là, c'est bon. Si tu l'avais approché. Pique-lui son arme. Non, non, il l'a approché. Ah oui, quand même. Et toi, t'as lâché la tienne partout. Imagine, il peut la... Ah oui, j'ai un arc beaucoup plus puissant. Pourquoi il est... Mais moi, je voulais l'arc, en fait. En plus, j'ai des fléchettes. Allez, viens. Mais il est énorme. Oh. Pourquoi tu t'es laissé taper? Mais comment tu veux que j'esquive ça? Mais tu peux. Mais je peux rien, frérot. Il est mort. Oh, la il a un verre dans la bouche? Non, c'est sa langue. Sacrée langue, quand même. Voilà, je me suis fait totalement défoncer. Wow. C'est quoi? Est-ce qu'on peut le considérer comme un boss? Non, vraiment pas, non. Pourquoi tu les tues? La viande est pas toi, non? T'as raison. Sauf que le mec là-bas, frérot, j'ai envie de le défendre. Cours! Mais si, je veux l'affronter, le mec en bas. Oh! Personne m'a vu, personne m'a vu. Putain, il court vite! Pourquoi ils étaient pas là avant? Parce qu'ils sont aléatoires, eux. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille.
Alors, ok, lui, attends. Tu peux arriver tout discrètement. Non. Tu peux ne pas le réveiller. Pique-le sur mon petit. Prends son. Voilà, maintenant il ne peut plus rien faire. Ah bah non, ça va, cette place. Ça, c'est une vie. Ah, il pensait qu'il allait me battre. Mais t'as battu une fois quand même. Oui, il m'a défoncé. Du coup, moi je peux one shot avec ça. Ramasse ces trucs. Ramasse quoi? Tu es ce réflexe. Ah, corne de mot. J'avais pas vu. Corne de Moblin. Croc de Moblin. Ok. Et on a encore un truc. Croc de Moblin. Ok. Ok, pourquoi je me cours au niveau des touches? Allez, let's go. Bon, bah. Putain, il y a plein de choses sur notre chemin quand même. Hein. Ah oui. Si tu suis le chemin principal, t'es sûr de rencontrer des choses. Ok, vas-y, let's go. Parce qu'en vrai, tu peux tout contourner. Hein. Ah, moi, c'est ce que j'ai fait. On est là pour vivre des aventures, non? Mais non, mais en fait, quand tu contournes tout, tu vis des aventures, mais c'est différent. Là, tu vis les aventures qui veulent te faire vivre. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. T'as envie de dire juste que t'es honoré de suivre, de jouer avec moi, en fait. T'es là, ouais, c'est quoi ça? Ouh, Arlarbe. Oui, si tu arrêtes de garder tes armes pourries aussi. Ok, qu'est-ce que je jette? Bah, la torche. Oh, la torche, on en a besoin, non? Non. Enfin, oui, mais pas maintenant. Non, garde ça. C'est pas... Bah non, elle est trop nulle, quand même. Arlarbe ou oui. Elle parle. Non, ils vont pas s'activer, eux. Cool. Qu'est-ce que tu m'as dit activer depuis longtemps que t'étais... Oh non, c'est la même arme éclatée. Oh, la pluie! J'ai une petite technique pour les chauves-souris qui vont arriver. Chauves-souris. Normalement, il y a plein de chauves-souris qui sont en train de foncer dessus là. Si tu veux qu'elles arrêtent de te saouler, tu prends le truc qui arrête le temps. Comment tu savais? Ah, le bruit. Ouais, j'ai vu. Regarde. Prends le truc qui arrête le temps. Écoute-moi. Ouais, tu m'écoutes pas. Mais parce que j'essaie de faire la tornade. Il faut appuyer longtemps. Ah. Ok. Alors attends, je t'écoute. Ça? Non, qui arrête le temps. Ça? Qui arrête le temps. Ça? Oui. Et ensuite, tu bloques une seule des chauves-souris. Et toutes les autres, elles vont partir. Bon, je vais pas activer ce pouvoir. Comment je fais? Ah, peut-être que... Non, j'ai rien dit, pardon. En fait, tu peux pas encore figer les ennemis. Oh là là. C'était un mauvais conseil. Cours! Oh yeah! La nature t'attaque. Tout le monde veut que tu crèves. Alors... Ah oui, ça... Tu peux appuyer sur A pour lire. Ah oui, d'accord. Allez, hop. J'ai quand même envie d'aller voir le lac, hein. Bah, on va voir le lac si tu veux aller voir le lac. Il va pas nous voir venir. Bah voilà, c'est une technique aussi, ça. Quand tu les surprends, tu leur fais plein de dégâts. Oh non! Oh le pauvre, il était tranquillement en train de dormir! Il s'est pris un coup de marteau! Ouais, t'es vraiment cruel. Oui, mais je suis cruel. Je suis un homme cruel. Tu vas aller tuer le renard aussi? Mais bien sûr que je vais les égouiller. Non, la règle c'est de pas tuer les renards parce qu'ils sont trop mignons. On va voir ça. Putain, Ganon, wesh. T'as pas dit que tu voulais aller au château? Attends, donc Ganon là, il est au calme en train de... Il est au calme. Non, il est scellé par Zelda pour l'instant. Ah...
Du coup, je présume que quand je vais arriver. C'est une technique! Comment je sors mon arc? T'as qu'à aller dans le sanctuaire. Tu comptes pas les faire, les sanctuaires? Ils sont où? Bah là, il y en a un. Et je vais débloquer un pouvoir, non? Bah, tu vas augmenter tes cœurs si tu... Ah oui, ok. Wesh. C'est quand même deux fois que j'arrive à les vesquer. Hein. Tu me dis pas, ouah, t'es incroyable comme mec et tout. Mmh. Connard. Tu vois, j'ai joué hier soir et ça m'a pas pourtant. Ça m'a pas. Genre, même si j'étais fort hier soir, je trouve. Et bah là, je me fais enculer quoi. C'est normal, tu viens de sortir du plateau. Ah oui, du coup, le monde extérieur n'a rien à voir. Eh, hey, mais j'ai toujours pas choisi ma vie ou mon cœur. Attends, tu sérieux, t'as oublié d'aller faire ça? Fallait aller où? Super là, tu es super en pleine ouais, vidéo. C'est bon, hein. Oh mon dieu. Le souris veut plus partir. Pardon. Bon, on a pas les tours. Et du coup, comment il faut faire pour débloquer ces trucs? Comment ça? Bah, du coup, j'ai 4 trucs. Ah, il faut que tu trouves une statue de la déesse. Tu vois, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans toi, je suis perdu. Voilà. Ça veut dire que tu sais pas lire les tutoriels? Aussi. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a? On a besoin... Ouh, guidé par le vent. Arrête de dire guidé. J'ai pas rien. Tu sais vraiment pas lire? Si, si, guidé. Mais pourquoi t'as dit j'ai qu'une idée? Ah. Et là ça pousse non? Maintenant il y a plus de vent. Hein. Mais putain quoi, comment j'utilise cet arc? C'est une gâchette. Ok. Putain. Ok. Arrête, ça marche pas! Mais tu vois bien que ça fait rien! Attends. Réfléchis, mon petit Sky. C'est simple? Oui. Déjà, je sais que c'est pas le bon pouvoir. C'est le tout premier sanctuaire que tu rencontres en général, quand tu suis la route principale. Qu'est-ce que tu viens d'obtenir? Un truc pour ralentir le temps? Non, c'est quoi la dernière chose que t'as obtenue? Un cœur en plus, je sais pas. Synesthésis, Polaris... Oh putain! Qu'est-ce que j'ai obtenu? Putain de paravoile. Oh. Ah ok. Putain, je sens que je vais bégayer. Oh mais il faut attendre qu'il y a le vent aussi, putain, je suis con. Il y a toujours le vent. Il y a toujours le vent. Eh ouais frérot! Et enfin compris! Tu sais les donjons, tout ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mmh. Oh putain, j'imagine pas les hauts levels, oh, comment je vais galérer frérot. Ok, assez simple. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Alors,
Oui, ah oui. C'est juste que tu voulais aller vérifier en bas. C'est pour ça que... Ah, il faut que je double X. Oui. Oh, tiens, je vais aller voler. Et vous, allez, check. Non, tu mérites pas un check, là. Tu m'as dit que j'étais le plus fort. J'ai jamais dit ça. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Merde. Je suis galère quand même. Tu vois, ça veut peut-être dire que j'ai ma manière à moi de... Max... Il va encore mourir. J'ai vu que c'était un peu trop court. Ah putain, oh, ce donjon de merde. Oh, c'est le premier, attention. Non. Espadon de soldat. Bon bah t'as pas assez de place sur pas. Frérot, j'ai l'impression que j'avais de la place. Oui, t'as jamais de la place, c'est normal. Alors ça, ça dégage. Ouais, tu peux dégager les grosses là. Cool. T'as impatient d'améliorer mon équipement, tout ça. Parce que frérot, c'est pas possible. On va se faire un petit truc à manger. Un lézard. Oui, c'est bon, un lézard. Ok, je commence à comprendre. Arrête de dire frérot. Ouais. Tu veux que je dise mon cœur? Oh non. Bah oui. Ah, pourquoi tu le dis pas, toi? Oh, c'est terminé. Tu sais que je m'attendais encore plus, wesh. Et voilà, cinquième petite. Problème du trio. Tout est good. T'es contente? Oui. T'es mort que trois fois, ça va? Ça va. Allez, let's go pour la suite. Un râteau équipé d'une voile. Ça va? Ça fait plaisir de voir un professionnel jouer. Oh! Le prix, c'est là. Puis c'est là. Ouf! Il y a un pont. Mais bon, je pense qu'il y aura des gens sur le pont. Soyons intelligents. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Mon voyageur? Non, je vais affronter des humains. Oh. Très bien, mais là j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Oh non! Oh putain, c'est pas un humain lui. Oh la taille des oreilles, frérot. En fait, ils ont tous des têtes, des oreilles de lutin. Oh, c'est moche. Ouais. Du coup, je garde un œil sur le machin. Enfin, les gars, tu connais pas l'histoire du jeu ou quoi? Tu le vois là-bas, le machin qui ressemble à une onde à l'envers. Je me suis déjà fait pour ce. Non, c'était un autre vers le château d'Hyrule, juste avant un bosquet. Oh putain, bosquet. Là. Ah oui, donc il doit. Putain, il doit être sécurisé le château quand même. Ouais. Avant de rentrer. Viens, un épisode, on essaie de rentrer. Merci. Juste pour tester. Tu veux foncer maintenant? C'est le baganon. Mmh. Viens, découvre. Regarde ce qu'on fait. Mais tu t'en as rien à foutre de des dialogues, c'est fou, hein. Il a dit quoi? il a pas dit un truc important. Mais c'était rigolo, il croyait que tu voulais sauter. Ah. Et il était en train de t'en dissuader. C'est quoi ça? C'est un bouc. Putain, je crois que c'est un magicien. Magicien tête de bouc. Ok, let's go. Oh, oh là. On passe. Comment il est pas vu?
On va faire la tour là-bas ou pas? Mais tu fais comme tu veux. Parce qu'en fait, si je perds, je suis derrière, c'est ça? Hein? Si je perds, ils vont pas me réa genre là. Bah, tu peux sauvegarder. De toute façon, il faut que je m'entraîne. Ah bah c'est sur le sauvegarde tout seul. Oui, il y a des sauvegardes. C'est quoi déjà? Il est plus fort. Ah. Suicide directement, t'as raison. Ok, le marteau. Putain, mais j'aimerais une arme beaucoup plus puissante là. Bah va dans le château. Dès que j'ai la tour, on fait le château pour la prochaine vidéo. Vas-y. Ok. Donc, regarde-les, ils sont en train de... Exploser la TNT. Mais pas comme ça. Bah elle est où ma boule? Elle roule. Elles sont pas venues? Non. En fait, je me trompe au niveau des touches, énormément. Alors, dis-moi, comment je la... Attends qu'elle aille près du truc de TNT. Ouh. Allez, viens là. Du nouvel équipement. Fleur lame, c'est le plan fumé d'ici. Donc. Oh, un meilleur bouclier. Alors, jeter. Et on prend celui-ci. Oh, dis-moi qu'ils avaient un truc pour cuisiner. Attends, je fais attention à ce que je ramasse. C'est ça. Non, tu ramasses tout. Je suis trop con, j'avais le steak. Allez, on espère du meilleur équipement que le peuple de plus. Ah oui! Trop stylé. Champignon. Oh! Champi armor. Ça donnera plus d'armure, je suppose. Tu sais que j'ai envie d'explorer tout petit à petit. Tout. Hein. Au lieu de. Ça va durer des heures, il y aura 10 000 épisodes. Ouais. Je pense que c'est quoi le mieux?
Minecraft, c'est pas moi. Dans tous les cas, il y aurait 10 000 épisodes. Ouais, dans tous les cas, il y aurait 10 000 épisodes. Du coup, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de roulade, non? La solution, c'est le montage. Hein. Si, non, il n'y a pas. C'est quoi le truc qui vole là-bas? Ouais, tu veux, tu sais qu'elle est voir si tu veux. Mais il est super bon. Prends la grenouille. Bien sûr. Tu veux une deuxième grenouille? Oui. Tu veux la grenouille? J'avais toujours la grenouille. Ah, tu le... Tu le sers. Je le déteste. C'est mon pire ennemi. Planck. Oh, un seul coup? Ouais, parce que t'as fait un headshot. T'as fait un headshot à Modern Combat? À la Tekken? Tu le book, je déteste aussi. Ok, je le tue. Oh non! Tueuse! C'est toi le tueur, c'est toi qui l'as tué. Allez, let's go, on a ça à faire. Pourcentage de réussite. Comment je fais à ton avis? Ouais, good. Oh, technique. La technique est limitée là. Oh, on a un petit petit raccourci. Même qu'on améliore cette petite barre. Il y a un marché là-bas. Tour des monts Géminé. Lui là, il peut me tirer dessus ou pas? Non, oh. T'as des risques quand il saute. Oh mais ça c'est... Ça utilise plus d'énergie. C'est vrai. Ok, bleu là. De toute façon je peux débloquer mon paravol d'un coup. Ah oui mais alors tu dois te remonter. Ok, let's go. Tu veux que je monte comme ça? Bah oui. Ok. Fais un petit saut de temps en temps, mais... Prends un. Tu m'écoutes pas. Regarde, regarde comment ils dansent ces connards, on va les choper. J'aime pas quand tu tues les monstres, ça me fait de la peine. Je préfère quand tu tues ces connards de cerf. Allez, hop là. Un peu de sperme de la tourelle. Non? T'abuses. Même pas. Oh oh. Du coup, ça permet quoi, du coup? Tu vas voir. Ah oui, juste la téléportation. Non. Et voilà. Sperme. Oh. Toi aussi, tu commences à t'y mettre? Non, le sperme de la tourelle. Oh la bonne goutte là. Je suis sur le visage. T'es horrible. Frérot, une toile. Ah non, ok, pardon. J'ai cru que j'étais là en fait. Ok. Localiser des sanctuaires initiales. Le détecteur réagit lorsque vous approchez d'un sanctuaire. Quand il est activé, c'est insupportable. Petite tablette Sheikah. Il y avait dans les autres Zelda la tablette Sheikah ? Non. Ils l'ont fait pour la Wii U et la Switch. Mmh. Du coup, il y a une tablette dans les mains tout de près, donc c'est pour ça. Du coup, ça va faire un bruit comme ça, là, tout le temps ? Bah, pas tant qu'il y a un truc près de toi, oui. Hein. Mais où ça, je le vois pas ? La cherche. Vas-y, va les tuer, si tu voulais faire ça.
vais leur piquer leurs armes. J'ai tu vas leur piquer leurs armes. Mais quelle arme? Là, que sont posées toutes sur le caillou. La branche. Enfin, le tronc, quoi. Et voilà, il est là. Il s'est fait brûler la tête. Non. Il faut que t'aies une grosse arme. Ok. Comme ça. L'épée du voyageur. C'est pas écrit ça. Frérot. Là tu peux. Trop stylé. Oh! Ah le con il appelle ses potes mais tu les as tous tués. Tu l'as évité en cassant la gueule. C'est lui qui avait crié? Non c'est l'autre là-bas. Oh! Duel de flèches. Let's go! Voilà, maintenant tu peux faire à manger. Ok, qu'est-ce que me conseille mademoiselle? Que tu fasses des trucs avec pas beaucoup d'ingrédients parce que de toute façon t'as pas beaucoup de cœur pour l'instant. Très bien. So what do I have to. Par exemple, tu prends un bout de viande et une pomme. Ok. Bout de viande. Ou même juste un bout de viande. Ou quoi t'en as, mais c'est pas grave. Vas-y, pomme de viande. Non. Un seul? T'en as mis deux. C'est pas bien. Ouais, tu peux passer en plus. Oh! Tu vois, ça te rapporte 4 cœurs alors que t'en as que 3. Plus tard, il faudra que tu fasses des trucs avec plein de cœurs, mais là. Pff. Ok, prendre. Non. C'est très bien là. Stop. Ok, prendre. Voilà, c'était un viande fine, donc en plus, les bouts de viande fine, à mon avis, tu peux les cuisiner tout seul. Hein. Ouais, c'est. Ouais. Ça? Ouais, si tu veux. Ça va te faire attaquer. Oh! Quand t'es en combat. Je vais me faire 4 cœurs. Non, mais tu l'as mis tout seul. Ah. Tu vois, comme ça, il te rapporte 3 cœurs, alors que si tu l'avais mangé sans le cuir, c'était un peu de la merde. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ah, tu peux faire le bout d'herbe, là. Sur la dernière ligne. Qu'est-ce que ça fait? Mais juste une pomme. J'ai pris un œil. T'as cuisiné un œil. Plat douteux. La plante, là, à la fin, au-dessus. Et... Le zar? Non. Tu peux pas mélanger des ingrédients et des insectes, ça fait des plats douteux. Par exemple, le rayon de miel ou le champignon, on peut pas les deux en même temps. Il faut pas mélanger les effets, il faut pas mélanger les ingrédients et... 5 heures? Oui, ça te rapporte de l'énergie aussi. Putain. La pomme et le champignon. Non, pas une grenouille. Ok, cool. Mais par contre, il n'y a pas de coffre ici? Bah non, il n'y en a pas toujours. Ok, bah c'est par là notre objectif. Oh putain, c'est juste à côté du château. Allez, go au château. Oh, ça dépend, là... Waouh, on est à 34 minutes, hein. On arrête là.